Hello, alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vais commencer cette vidéo par vous dire vraiment merci du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo, ça m'a vraiment fait super plaisir. D'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous la mets juste ici et je vous mets aussi le lien en description. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour que je vous montre ce qu'on a jugé nous indispensable pour voyager en voiture aménagée. Donc dans la première partie, je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté avec les références. Donc tout sera dans la description et aussi des choses qu'on avait déjà. Et dans la deuxième partie, donc je vais vous montrer la préparation de la voiture et comment on s'est organisé pour tout ranger. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Depuis la première vidéo, on a réfléchi à tout ce qu'on pouvait acheter, ce dont on aurait besoin. Donc on a fait pas mal de magasins, surtout Decathlon, on y allait au moins 5 fois. Mais c'est tellement la base Decathlon pour le camping, il y a vraiment tout ce qu'il faut à des prix abordables. Après plusieurs mois, le départ de notre premier road trip approche et on a enfin terminé de tout acheter et de tout préparer.
vous ai préparé d'ailleurs des checklists qui récapitulent tout ce que je vous ai dit là. Donc je vous en ai fait une qui récapitule tout ce que vous devez prendre pour voyager en voiture aménagée. Et j'en ai fait deux autres à propos des dépenses à prévoir selon votre budget. Donc j'ai fait approximativement deux listes, donc une avec le minimum à avoir et une autre avec un peu plus de choses pour avoir plus de confort. Comme ça, ça vous donne un petit peu une idée du budget que ça représente. Donc je vous posterai tout ça sur Instagram, en story à la une. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vous abonner si vous ne voulez pas les rater. Alors je vais vous faire une petite annonce parce qu'il y a eu du temps qui s'est écoulé depuis la première vidéo. Et entre temps, mon chéri s'est acheté sa première voiture. Alors quand je vais vous la montrer, vous allez me dire « Mais what the fuck, elle se moque de nous ?» Mais non, c'est pas une blague, c'est bien vrai. Il a acheté la même voiture que moi. Donc au début, c'est vrai qu'on s'est dit que c'était super bizarre, mais c'était vraiment une trop bonne occasion. Et en plus, par rapport à notre projet, on s'est dit que c'était trop bien. Donc cette fois-ci, on va partir avec sa voiture à lui. Donc elle a quelques petites différences par rapport à la mienne. Donc celle-ci c'est une diesel, elle a des jantes, les vitres arrière elles sont teintées et il y a les feux de brouillard avant en plus. Et il y a aussi quelques petits détails esthétiques à l'intérieur. La veille de notre départ, on est parti faire quelques courses le matin et on en a profité pour mettre de l'essence. Ensuite, de retour à la maison, on s'est occupé de vérifier le niveau d'huile et la pression des pneus. On a aussi nettoyé un peu l'intérieur et l'extérieur au Karcher. Donc là, je vous montre un peu à quoi ressemble la voiture à son état initial. Donc je commence d'abord par enlever les appuie-têtes de la banquette arrière. Ensuite, il y en a beaucoup en commentaire qui m'avaient demandé comment est-ce qu'on enlevait les assises. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il vous suffit de lever vers le haut le siège à l'avant et ensuite il bascule tout seul. Et après vous n'avez plus qu'à le déclipser comme ceci. Ensuite j'abaisse les dossiers de la banquette arrière. Pour ce qui est des sièges avant, du coup j'avance au maximum les deux sièges. Et ensuite, je rabats vers l'avant au maximum le dossier du siège grâce à la molette sur le côté. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est la configuration pour dormir. Donc, je ne vais pas du tout charger la voiture comme ça, c'est simplement pour vous montrer. Donc comme vous le voyez sur les images, les caisses sont assez petites par rapport à la place qu'il y a. En fait, j'ai dû les faire de ces dimensions-là pour qu'elles s'imbriquent parfaitement dans le sol de la voiture. Et donc, il nous reste de l'espace vide au milieu et un petit peu sur les côtés. Mais ça, c'est pas grave, je le comble avec des petites pochettes, des trousses, etc. Donc pour ceux qui me demanderaient, le matelas, c'est notre matelas de BZ. Donc il fait 1,90 m de longueur et 1,30 m de largeur. Comme vous pouvez le voir, le matelas est assez plié, mais ça ne nous gêne pas tant que ça finalement. Ce qui est plus gênant, c'est finalement la longueur puisqu'on n'a que 1,70 m. Bon bah voilà, on a fini de charger la voiture. Donc c'est bien blindé. Donc là on a le matelas qui est plié. Là on a tout ce qui est nos vêtements, donc c'est un peu notre armoire.
les chaises. Ici donc on a la glacière, là je vous cache pas que ça ferme tout juste. Donc ici hop, on a ça, donc là c'est un peu notre réserve de nourriture. Là avec les petites choses qu'on va avoir besoin. Les toilettes et en dessous, là dans le fond, on a nos chaussures. Et comme ça, bah, devant, on a toute la place de libre. De ce côté, donc ici, on a tout ce qui est serviette pour la salle de bain, trousse de toilette. Donc ici, on a tout ce qui est sous-vêtements, trousse de pharmacie, on a mis quelques petits trucs dedans. Là, on a rangé les caches vitres juste ici. Et là donc on a notre caisse de cuisine et ici la caisse avec un peu le fourre-tout. Ici donc on a tous les petites choses qu'on pourrait avoir besoin. Bon mais ensuite ici on a notre petit truc pour le téléphone, les câbles. Après je vous ai pas montré, ici on a des petits tiroirs. Donc du coup on a rangé tout ce qui est câbles, enceintes. Ici on a tout ce qui est batterie externe et tous les câbles. Donc après si vous vous demandez où est la douche etc, tout est dans le sous-coffre, donc là on voit la tente de douche ici. Après dans le sous-coffre on a tout ce qui est douche, pare-soleil, le camping gaz, la tente etc. Donc j'ai pu quand même ranger pas mal de choses dans le sous-coffre, donc c'est vraiment trop cool. Et au final on garde quand même une bonne visibilité là pour le rétroviseur intérieur. Bon bah voilà, on est prêt à partir, je suis vraiment trop contente, j'ai beaucoup trop hâte, mais en même temps c'est vrai que j'ai un peu d'appréhension parce que partir à l'aventure comme ça c'est un peu un truc de ouf. Cette vidéo s'arrête donc ici, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un j'aime. De mon côté je continue à filmer pour notre road trip en Bretagne, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et vous pouvez aussi venir me suivre sur mon Insta pour voir en avant-première quelques moments du voyage que je vais partager en story. Voilà, bon bah sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.